Hello à tous, je viens d'apprendre que Brigitte Giraud vient d'obtenir le prix Goncourt pour son dernier roman Vivre vite. Je me fais un petit thé et je vous donne mon avis sur ce livre tout de suite après. On peut y aller. Alors, vous l'avez sûrement vu passer récemment, Vivre vite. C'est le livre qui vient d'obtenir le prix Goncourt. Alors, je suis persuadée qu'à l'heure qu'il est, il est déjà avec son petit bandeau prix Goncourt en librairie, ou alors ça ne serait tardé. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo qui parlait des livres de la rentrée littéraire. Mais bon, voilà, comme il vient d'obtenir le prix, je voulais faire une vidéo à part pour vraiment faire un petit focus. Parce que je sais que certains vont chercher des infos sur ce livre en particulier. Et du coup, bon voilà, ça leur permettra d'en trouver plus rapidement si jamais mon humble avis les intéresse. Alors, Vivre vite, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte l'histoire d'une famille, en fait, d'un couple plus précisément, où, qui a un enfant. Mais l'enfant est abordé, mais on n'en parle pas tant que ça. En fait, ça raconte l'histoire de la mort d'un des deux membres du couple, donc un homme en l'occurrence, qui a eu un accident de moto. Alors, il y a zéro spoil, hein, ouais, voilà. C'est dans le résumé, c'est bien ce qui me semblait, donc vraiment zéro spoil du tout. Et donc, c'est sa compagne qui va raconter un petit peu... qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cet accident au final. Alors, moi j'avais bien aimé ce livre, franchement je vous l'avais dit, j'avais vraiment adoré, parce que c'est un livre auquel on pense encore après, et ça, moi personnellement, j'adore. Pourquoi est-ce qu'il est particulier? Eh bien, c'est parce que en fait, le livre va vraiment être sur le « et si ». Vous savez ce petit « et si », celui qui nous fait dire « et si et si j'avais pensé au vent qu'il y avait, est-ce que j'aurais pas mis un autre micro ?» Et si j'étais née dans tel pays ou dans telle famille, et si il m'était arrivé ça, et s'il ne m'était pas arrivé ça, etc. etc. Bref, ces petites phrases, ces petites pensées qu'on a parfois, qui nous font penser à ce qui aurait pu se passer, quelle aurait pu être notre vie, etc. Et bien là, c'est un peu ce que raconte ce livre. Et si il y avait eu ça, peut-être qu'il n'aurait pas eu son accident. Voilà un peu sur quoi est basé le livre. Et du coup, c'est ultra intéressant parce que d'un côté, on se reconnaît forcément dans le récit que fait la narratrice, puisque voilà, je pense qu'on est tous comme ça, qu'on a tous déjà murmuré ces deux petits mots et pour s'imaginer autre chose. Et ce qui va être intéressant, c'est que on sait qu'il a un accident. Enfin, je veux dire, c'est écrit dans le résumé, donc il n'y a pas de doute, hein, il n'y a pas de rebondissement en disant finalement j'ai tout inventé, etc. Non, il est malheureusement décédé. Mais bien qu'il y ait cette réalité, l'autrice va profiter d'un moment de sa vie où en fait elle va déménager de la maison dans laquelle ils auraient dû vivre avec son compagnon pour prendre le temps de réfléchir à toutes ces choses qui auraient pu changer le cours de son histoire en fait, le cours en fait des événements. Et du coup, c'est vraiment prenant parce que d'un côté, il y a tout un tas, enfin toute une chaîne d'événements qui est décortiquée, et avec à chaque fois le petit « et si ». « Et si à cet événement-là, il s'était passé ça ?»« Et si j'avais pas vu ci ?»« Et si j'avais fait ça ?» etc. Et du coup, en fait, on a l'impression qu'à un moment, il y a une poussière qui va venir se mettre dans le rouage et que ça va donner une autre chose, qu'on se dit mais c'est pas possible en fait, enfin, ça tient vraiment à rien, enfin à une chaîne d'événements, enfin voilà, ça tient vraiment à rien. Donc d'un côté, tout le long du livre on se dit non mais c'est pas possible quoi, enfin il y a forcément quelque chose qui va faire que qu'à un moment ça va se rétablir, que ça va se passer comme ça. Et de l'autre en fait non, donc ça fait que c'est quelque chose de très immuable, de très déterminé quoi. C'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, quelqu'un ligoté sur des rails et un train qui avance et en fait vous savez que malheureusement vous n'aurez pas le temps, vous savez que vous ne pouvez pas changer les choses, mais pour autant vous ne pouvez pas parvenir à croire ce qui va se passer en fait. Enfin voilà.
Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Au niveau du style, moi c'est la première fois que je lisais cette autrice. Et je trouve qu'en fait, elle représente bien sa photo. Après peut-être que ça m'a je sais pas, donné une image et tout. Mais je trouve que le style est très... Bon, on sent que c'est quelqu'un qui lit, qui écrit régulièrement, etc. Mais je trouve que ouais, il y a un petit côté rock aussi dans la manière de raconter les choses, un petit côté ultra réaliste, un petit côté... ouais, un petit côté... Enfin voilà, ce petit truc qui fait que c'est vraiment un style particulier. Voilà, en gros, en quelques minutes, mon petit avis sur ce livre. Je ne sais pas si vous avez l'intention de le lire, si vous l'avez déjà lu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre vous a plu. Et surtout, s'il vous a plu pour les mêmes raisons que moi, ou alors pour d'autres raisons, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant de confronter nos avis. Je vous remercie pour votre attention pendant cette vidéo. Peut-être que vous étiez en train de faire les vaisselles ou autre chose, mais en tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt.